Bonjour tout le monde, c'est Hugo Ohola, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis gentiment accompagné par Tristan qui a ouvert sa salle. Je suis du passage à Paris et on va s'entraîner. Ça va être l'occasion de vous montrer un autre type de vidéo. Vous allez dire adieu au trépied. Vous allez pouvoir voir une petite séance d'entraînement avec nous. On a aussi Guillaume qui est derrière la caméra qui va s'entraîner. On part sur une grosse séance haut du corps et on vous emmène avec nous. C'est parti. Collection de disciplines que vous pourrez retrouver en janvier, on espère. Et combien est-ce qu'il y aura d'exemplaires? On fait précommande, donc normalement ça devrait bien se passer. Vous avez été super nombreux sur la première collection, donc un grand merci à vous pour le soutien. Et on va recommander plus pour la 16e, mais il faudra quand même pas tarder les gars, parce que vous êtes bouillants. Vous êtes ça bouillants. Marche, faudrait être vif. Bon, soyez indulgents sur mon bench. Hein. C'est lui qui a le plus gros bench, il nous dit soyez indulgents sur mon bench. Mon setup il est rouillé. On va prendre des pieds, c'est moche. Ça, c'est pas du placement IPF ça. C'est pas IPF à Ouais. Moi, je fais pas de power. Hein. Je fais juste du coucher occasionnellement. Donc, ça convient très très bien. Les gars, ça va être l'occasion de tester. Merci Tristan. De tester les mentales. Comment il s'appelle? L'élémental. Élémental formulation. Élémental utopia. Élémental formulation utopia. On va voir la hype. Apparemment, tout le monde en a parlé. Je me pardonne si je fais l'ancienne, la scoop direct. Ah là là, c'est parti. Méthode power, on connaît. Spoiler, c'est surcoté. Ok. Review à la fin de la séance. Le goût est bon. Le goût est bon. Ça, faut pas l'enlever. Super bon goût. Tu bêches sans bande poignet, toi. Ouais, j'ai pas mal au poignet. Et même sur du lourd, quand je mets pas, ça change rien finalement. Enfin, je les mets quand même, juste on sait jamais, tu vois. Mais en soi, pas de problème de poignet. Problème sur l'épaule, non. Y a pas le putain. J'ai pas mis. Insulte-le là, insulte-le là. T'es toujours un peu déséquilibré d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et je sais pas si c'est. C'est un peu une chimère de chercher l'équilibre parfait. Ouais. Tu vois plein de coureurs qui poussent très très lourd et qui sont pas complètement symétriques. Quoi. Ouais. Non, mais il y a deux choses dans ça. Il y a déjà le fait que tout le monde est parfaitement dissymétrique. Ouais, ceux qui le pensent l'inverse, en fait, c'est juste qu'ils sont pas au courant de leur différence. Ouais, ouais. Et après, comme tu dis, il y a le fait que on peut lifter lourd sans être parfaitement symétrique. De toute façon, il n'y a aucun sport où on peut être parfaitement symétrique. Donc, Non, je pense qu'il faut chercher à corriger des gros déséquilibres qui peuvent poser problème. Mais on n'atteindra jamais un stade où on est parfaitement aligné. Ouais, ouais, carrément.
Allez, moi. Oh, il va aller chercher, il va aller chercher. Il m'a chauffé pour la dernière. Rendre ce bruit magnifique. On s'en est habitué quand même. Tu sais, quand t'as l'habitude de faire du rowing, du se pencher, ah bah là, en trichant comme un gros porc, tu te mets là-dessus. Ça, c'est moi, ça. Tu comprends que c'est pas du tout la même chose. Hein. Moi, déjà, je triche open lay alors. Tu te places, ouais. Ouais, comme ça. Tu mets les jambes dessus. Recule un peu la tête, d'accord. Ouais. Ouais, voilà. Là, t'es pas mal, je pense. Tu laisses tes jambes pendre, tu mets comme ça. Je teste les deux, mais moi, je mets comme t'es là. Ok. Ah, je vais voir. Et je prends la même prise qu'au bench, moi, comme ça, c'est assez antagoniste. Tu recules un peu, ouais. Recules un peu plus. J'ai la tête. D'être un peu proche là. Ouais, ouais, parce que en fait il y a une moulure et là tu vas toucher ici. Et ouais, ça, ouais, voilà. Voilà. N'hésite pas à décoller les pecs. Voilà. Ouais. Ça, ça va me mettre un peu plus. Après. Voilà. Ouais. Voilà. C'est ça. Et tu. Ouais. Je sens que je vais faire le magic arc. Ça, c'est la technique pour le mettre. D'abord tenir, après tu passes. D'accord. Et là, tu sors. C'est en fibre de carbone. Ouais, bah quoi moi, c'est en fibre de carbone. Elles sont indéchirables normalement. Indéchirables normalement. Bon, j'ai jamais déchiré de straps, même pourris, puisque je tire pas lourd. Encore. Ouais, là c'est là. On a des tractions lestées après. C'est pour ça que toutes les salles commerciales, elles sont vachement agressives sur les nouveaux abonnés. Ah ouais. Parce qu'ils veulent des gens qui vont s'inscrire et qui vont pas venir. Ouais. Le powerlifter, c'est le pire profil. Ouais. Comme dit Hugo, le mec qui vient, il utilise les barres, il fout la magnésie partout, ouais. Il utilise le matériel. Enfin. Et moi j'ai vu des stats, en moyenne, il y a quelques années, c'était 3 mois où tu restes sérieux en salle, ouais. Sauf que les gens s'inscrivent sur un an. Donc en gros, ils viennent 3 mois, après ils continuent d'être prélevés. T'es engagé un an, ouais. Dans tous les cas. Ouais. Donc ils savent que... Petite invitation pour vous, vous avez pu venir découvrir la salle, le Power Spot. C'est situé à Colombes, c'est une salle qu'on a ouverte en janvier 2020. Projet perso, familial, et moi dans l'espace du bas, je propose des cours en cross-training. Petit groupe de 8, archi-quali, où on prend le temps de bosser, de corriger tout le monde. Je fais des cours en muscu aussi. Pareil, des groupes de 8 personnes, je planifie les séances d'entraînement, tout pour progresser correctement. Et un collègue à moi donne des cours en TRX, suspension flow. Donc tout se passe bien. En tout cas, n'hésitez pas à venir découvrir le lieu. Et puis, les potos, Hugo, Guillaume, hein, vous êtes les bienvenus pour revenir de toute façon. Review, pré-workout, Utopia, honnêtement le goût super bon, moi j'ai trouvé. Après au niveau des effets, je comprends pas la hype autour de ce Utopia, c'était un très bon pré-workout mais sans plus. Après c'est vrai qu'on a un peu discuté, rigolé pendant la séance, on n'était pas super concentré, donc ce sera à revoir. Mais bon pré-workout mais sans plus, je dirais un solide 7 sur 10.